Bonjour, c'est Katinka. Nous sommes ici à Mulhouse. C'est 25 km d'Allemagne et 30 km de Bâle. Ça, c'est vraiment intéressant. Hallo, wir sind von Happy Schorle TV. Welche Aktivitäten kann man in Basel und in Freiburg machen? On parle pas allemand, désolé. Alors, je comprends pas du tout parce que c'est en allemand. Welche Aktivitäten kann man in Freiburg oder in Basel machen? Wow. Genre, la question c'est quelles activités tu peux faire à Bâle et à Freiburg? Ah ouais. Aucune idée. Ich liebe gerne gehen zum Starbucks für trinken Kaffee. C'est pas ça. Shoppen. Je sais pas. Ouais, shopping. La patinoire aussi. Après, c'est la patinoire, je sais pas comment on dit en allemand, mais. On doit répondre en allemand. La piscine à Bâle, la piscine des femmes. Il y a quoi encore? On peut aller visiter les zoos. Ouais, les zoos. Okay. Beaucoup de choses en fait, Bâle. On peut aller voir des expositions, tout. Et des musées. Ouais, des musées, ouais, surtout. On peut faire la descente du Rhin aussi. Okay. Sur des flotteurs. Ouais. Et à Fribourg? Freiburg, ouais, les magasins. Il y a aussi des peintres qui dans la rue, je pense. Ceux qui font les dessins des personnes. Et voilà. À Bâle? À Bâle? Ah, il y a des machen skaten. Skate. Also in Freiburg, es gibt den Badesee. Die Badesee. Non, vas-y, moi je fais pas l'interview, c'est mort. En voyant le Rhin si proche, Katinka n'a pas hésité à se jeter à l'eau. Toi aussi, tu as envie de profiter de tout ce qu'on peut faire en Allemagne et en Suisse? Hast du Lust, über deinen Tellerrand herauszuschauen? Nous intervenons gratuitement dans les collèges et lycées pour te donner des pistes pour apprendre l'allemand, se faire des amis, trouver des activités et avoir des informations sur les formations en Allemagne et en Suisse. Parlez-en à ton prof.